Alors, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va faire l'exercice 6 donc, concernant la notion de famille libre, génératrice et base. Donc, dans cet exercice-là, on précise, donc on dit qu'on va travailler donc, dans R3, l'espace vectoriel dans ce cas-là, E, c'est R3, l'ensemble des triplets. Les vecteurs vont être des triplets, donc évidemment de l'addition et de la multiplication externe concernant les triplets. Donc pour la question petit a, donc on donne donc une première famille, la famille C1, qui contient donc les vecteurs U1, U2, U3, U4. U1 donc c'est le triplet, donc 1, 0, 2. U2 c'est le triplet de 1, 0. U3 c'est le triplé 3, 1, 2 et le triplé U4, donc c'est 1, 1, moins 2. Donc la question c'est de savoir est-ce que C1 est une famille libre, génératrice ou base. Donc pour vérifier ces propriétés-là, donc on peut faire la chose suivante, donc on peut vérifier d'abord est-ce que c'est une base, ensuite est-ce qu'elle est génératrice, et ensuite voir est-ce que c'est une base. Donc pour essayer de réduire les calculs, on va commencer par écrire, par vérifier si C1 directement est une base. Sinon on verra si elle est libre ou génératrice. Donc pour ça, donc on va écrire donc soit U, un vecteur de R3, donc c'est un triplet appartenant à R3, et soit on va prendre donc 4 scalaires alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, donc derrière, puisque E est un espace vectoriel sur R, donc 4 réels. On va écrire la chose suivante. Qu'est-ce que ça signifie? U égale alpha 1 point U1 plus alpha 2 point U2 plus alpha 3 point U3 plus alpha 4 point U4. Ça c'est équivalent à quoi? Donc on va vérifier en même temps si la famille est génératrice, c'est-à-dire ce que cette équation là elle a toujours une solution. Si la solution est unique, donc on va déduire que U est une base, c'est-à-dire il suffit dans ce cas-là de prendre U égale 0, le 0 de R3, et on va avoir donc une solution unique qui est formée par des 0. On va voir est-ce que la famille est libre. Donc on commence par cette écriture-là, donc ça c'est équivalent à écrire que X, Y, Z égale. Là, on va multiplier U1 par alpha 1, ensuite U2 par alpha 2, on va faire la somme. Donc, on va faire cette opération-là tout de suite, puisqu'on est donc familier avec le calcul dans Rn. Donc, alpha 1, U1, ça va faire ici alpha 1, ici 2 alpha 2, ici 3 alpha 3, plus, là, ça va faire alpha 4 fois 1. Pour la première composante. Pour la deuxième composante, donc 0 alpha 1 plus 1 alpha 2 plus 1 alpha 3 plus 1 alpha 4, puisque là on a 1. Pour la troisième composante, donc 2 alpha 1, 0 alpha 2 plus 2 alpha 3 moins 2 alpha 4. Donc là, on est habitué à faire ces calculs-là, donc sinon, on fait les choses doucement. Égalité entre un triplé et un autre, donc on la traduit par un système, ça veut dire que alpha 1 plus 2 alpha 2 plus 3 alpha 3 plus alpha 4, c'est égal à x. Ensuite, alpha 2 plus alpha 3 plus alpha 4
égale y. Ensuite, 2 alpha 1 plus 2 alpha 3 moins 2 alpha 4 égale z. Ce qui est équivalent à écrire, donc comme j'ai dit dans les exercices précédents, donc là le coefficient de alpha est non nul, on garde cette équation dans la première ligne. Donc ça fait alpha 1 plus 2 alpha 2 plus 3 alpha 3 plus alpha 4 égale x. On essaie d'éliminer alpha 1 dans le reste des équations. Donc là, il n'y a plus d'alpha 1, donc tout de suite, on réécrit cette équation. Donc alpha 2 plus alpha 3 plus alpha 4 égale y. Là, on a deux alpha 1. Et là, on a alpha 1, donc pour multiplier alpha 1, pour éliminer alpha 1 ici, on va faire multiplier ça par 2, la première ligne, et on va faire la différence. Donc si on multiplie par 2, on va avoir 2 alpha 1. Donc 2 alpha 1 moins 2 alpha 1, ça fait 0. Là, on va avoir 2 pour alpha 2. Donc là, on a 0 alpha 2. Et là, on va avoir 4. Donc 0 moins 4, ça va faire moins 4 alpha 2. Pour alpha 3, donc 2. Et là, on va multiplier par 2, ça fait 6. Donc 2 moins 6, ça fait moins 4. Moins 4 alpha 3. Et là, on va multiplier par 2. On va avoir moins 2. Moins moins 2, ça va faire moins 4. Alpha 4 égale. Là, on a dit cette ligne moins 2 fois celle-là. Donc, on va avoir dans le second nombre z moins 2 x. Donc là, on a fait la ligne 3 moins 2 fois la ligne L1. Donc 2 moins 2, ça fait 0 pour alpha 1. 0 alpha 2 moins 4 alpha 2. Et donc 2 moins 6, ça fait moins 4. Et là, moins 2, ça fait moins 4. Donc ensuite, ce qui est équivalent, système suivant, donc là toujours alpha 1 plus 2 alpha 2 plus 3 alpha 3 plus alpha 4 égale x. La deuxième ligne, donc maintenant on s'intéresse à la deuxième et la troisième ligne. On laisse la première tranquille. Là, il nous reste alpha 2, alpha 3 et alpha 4. Donc on va voir est-ce qu'il y a une ligne dont le coefficient de alpha 2 est non nul. Donc là, c'est la deuxième, le coefficient de alpha 2 est non nul, donc on garde cette équation-là. Donc alpha 2 plus alpha 3 plus alpha 4 égale y. On va utiliser la deuxième ligne pour éliminer alpha 2 dans la troisième. Donc là, on a moins 4, il suffit ici de multiplier par 4 et faire la somme. Donc si on multiplie par 4, on va avoir 4 alpha 2 moins 4, ça va faire 0. 0 alpha 2. Là, on va avoir 4 alpha 3 moins 4 alpha 3, ça va faire encore 0 alpha 3. Là, on va avoir 4 alpha 4 moins alpha 4, donc ça va faire aussi 0 alpha 4. Pour le second nombre, donc on a dit, on multiplie ici par 4, on va avoir z moins 2x plus 4 y. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc c'est cette ligne-là. On l'appelle maintenant L3'. Celle-là, donc, c'est toujours L2. Là, on a fait L3' plus 4 fois la ligne L2. Ce qui est équivalent, tout simplement, ce qui est équivalent, donc, alpha 1 plus 2 alpha 2 plus 3 alpha 3 plus alpha 4 égale x. Ensuite alpha 2 plus alpha 3 plus alpha 4 égale y. Et là on va voir 0
égale une condition, donc moins 2x plus 4y plus z plus z. Donc ça c'est une condition. Là il n'y a plus de alpha 1, alpha 2, alpha 3. C'est une condition sur les composantes de U. Sur les composantes de U. Ça c'est une condition. Donc c'est une condition sur le vecteur U de composantes x, y, z. Donc si le vecteur U, il vérifie cette condition-là, c'est-à-dire ça égale 0, donc le système sera équivalent à ces deux lignes, et on peut donc donner alpha 1, alpha 2, en fonction de alpha 3, alpha 4, x et y. Donc il y aura des solutions. Si U ne vérifie pas cette condition-là, c'est-à-dire cette condition-là est différente de 0, là on arrive à une contradiction. Donc le système n'admet pas de solution. Donc par suite, si U, le vecteur U de la forme x, y, z, ne vérifie pas l'équation moins 2x plus 4y plus 4z, donc le système est impossible. Le système n'admet pas de solution. Le système est impossible. Et on ne peut pas trouver alpha 1, alpha 2, alpha 3 qui vérifie ça avec cette équation-là égale à 0, puisque c'est ça serait différent de 0. Impossible. Et donc, dans ce cas-là, U n'est pas combinaison linéaire de U1, U2, U3, U4. Donc ainsi la famille C1 n'est pas génératrice. Donc ne pas être une famille génératrice de R3, puisqu'il y a des vecteurs de R3, des triplés, qui ne vont pas s'écrire combinaison linéaire de U1, U2 et 3. Donc il y a des U qui ne sont pas combinaison linéaire. Donc par exemple, entre parenthèses, par exemple, pour plus de clarté, donc par exemple, avec U égale, on va choisir au hasard x par exemple c'est 0, y c'est 0, et z différent de 0, 1. Donc on a moins 2 fois 0, plus 4 fois 0, plus 1, c'est différent de 0. Donc ce vecteur-là, le vecteur là, n'est pas combinaison linéaire, ne peut pas s'écrire combinaison linéaire de la famille C1. Donc la famille C1 ne peut pas être une famille génératrice. Est-ce qu'il est libre? Et avec U, c'est égal à 0E, le système du départ S est équivalent, va être équivalent, puisque dans ce cas-là, x c'est 0, y c'est 0, z c'est 0. Donc on revient ici au dernier résultat qu'on a trouvé avant. On arrive à ce système-là. Là, on peut l'appeler S, c'est le système auquel on est arrivé. Donc on arrive finalement à alpha 1 plus 2 alpha 2 plus 3 alpha 3 plus alpha 4 égale 0, x est 0. On arrive aussi à alpha 2 plus alpha 3 plus alpha 4, c'est toujours égal 0. Et là, on va avoir 0 égale 0, c'est une équation évidente. On la rajoute pas,
On s'en fout. Donc ça, tout simplement, c'est équivalent. C'est équivalent. Là, ça, c'est une équation qui est toujours vérifiée. Donc là, on a alpha 1. Et là, on a alpha 2. On va les garder. Et les autres vont devenir des paramètres. Donc, c'est-à-dire qu'on peut écrire alpha 2. Alpha 2, c'est égal donc à moins alpha 3 moins alpha 4, avec alpha 3 appartenant à R, va rester comme paramètre. Alpha 4 aussi va rester comme paramètre. Ensuite, le alpha 1. Lorsqu'on a alpha 2, on remonte pour exprimer alpha 1 en fonction de alpha 3 et alpha 4. Donc alpha 1 va être égal à donc moins 2 alpha 2, c'est-à-dire donc ça va faire moins 2 alpha 2, ça va faire 2 alpha 3 plus 2 alpha 4 moins 3 alpha 3 moins 3 alpha 3 moins alpha 4, lorsqu'on le fait passer de l'autre côté, moins alpha 4, c'est-à-dire en tout, moins 5 alpha 3, et là 2 alpha 4 moins alpha 4, donc ça fait plus alpha 4. Ainsi, écrire alpha 1.U1 plus alpha 2.U2 plus alpha 3.U3 plus alpha 4.U4 égale le 0 de E, c'est équivalent à dire que alpha 1 est de la forme moins 5 alpha 3 plus alpha 4, alpha 2 est de la forme moins alpha 3 moins alpha 4, alpha 3 quelconque dans R, alpha 4 quelconque dans R. Donc on n'a pas obligatoirement alpha 1 égale alpha 2 égale alpha 3 égale alpha 4 égale 0. Donc la famille d'où la famille U1, U2, U3, U4, cette famille-là n'est pas libre. S'il était libre, on aurait obligatoirement alpha 1 égale alpha 2 égale alpha 3 égale alpha 4 égale 0. Mais là, pour les alpha qui vérifient ces conditions-là, on a toujours cette équation-là qui est égale à 0. Si vous voulez, en plus, donc pour avoir, donc, cette famille-là n'est pas libre, donc liée. Donc il va être une famille liée. Quelle est la relation de liaison, ou bien les relations de liaison entre ces vecteurs-là? Il suffit de remplacer donc en plus avec alpha 3 alpha 4 appartenant à R. Si on prend alpha 1, c'est moins 5 alpha 3 plus alpha 4, et alpha 2, on la prend sous la forme moins alpha 3 moins alpha 4. On va avoir cette égalité là qui est vérifiée, c'est à dire on va avoir moins 5 alpha 3 plus alpha 4 point le vecteur U1 plus alpha 2, donc c'est moins alpha 3 moins alpha 4 point U2 plus alpha 3 point U3 plus alpha 4 point U4. Cette quantité-là est toujours égale à 0,1, quel que soit alpha 3 et alpha 4 appartenant à R. C'est-à-dire, en utilisant les calculs dans l'espace vecteur R3, on regroupe ce qui est multiplié par alpha 3. On va avoir alpha 3, point. Là, on va avoir moins 5 U1. Donc, moins 5, point U1. Alpha 3, donc là, on va avoir moins U2. Et là, on va avoir plus que 3. Ce qui est multiplié par alpha 3. Ensuite, plus alpha 4, point. Là, alpha 4 point U1, c'est-à-dire facteur de U1. Là, on va avoir moins alpha 4 U2, donc ça va faire moins U2. Là, il y a alpha 4 point U4, donc plus U4.
ça c'est toujours égal 0,1. Quel que soit alpha 3, alpha 4 appartenant à R. Donc cette égalité-là, ça implique. Ça implique. Si on a ça, quel que soit alpha 3 et alpha 4, donc si on prend alpha 3 égale 1 et alpha 4 égale 0, on va avoir l'égalité moins 5U1 moins U2 plus U3 qui est égal forcément 0,1. Donc là, il suffit de prendre alpha 3, c'est 1. Alpha 4, c'est égal 0. Ensuite, si on prend alpha 3, c'est 0, et alpha 4, c'est 1, 1 point 1 vecteur, ça reste ce vecteur. Donc on va avoir U1 moins U2 plus U4 égale 0,1. Donc là, alpha 3, c'est 0, alpha 4 avec alpha 4 égale 1. Donc si on a cette égalité-là qui est vraie, quel que soit alpha 3, alpha 4 dans R, on a ces deux égalités-là. Inversement, si on a ce vecteur qui est égal à 0,E, là on va remplacer par 0,E, et celui-là qui est égal à 0,E, donc alpha 3.0E c'est 0,E, plus alpha 4.0E c'est 0,E, donc la somme ça fait 0,E. Donc en fait là on a une équivalence, Donc d'où ce qui est équivalent tout simplement, donc là on peut changer ces écritures-là, écrire un vecteur en fonction des autres. Là, par exemple, on peut écrire alpha U3 en fonction de U1, U2. Donc ça va faire 5.U1 plus U2. Et le vecteur U4, on peut l'exprimer en fonction de U1, U2. Donc ça va faire, je vais passer ça de l'autre côté, ça va faire moins U1 plus U2. C'est-à-dire que U3, les combinaisons linéaires de U1 et U2, la même chose, U4, les combinaisons linéaires de U1 et U2. Donc là, on voit bien que la famille est une famille liée. De toute façon, on l'a vu par la définition, mais là, on voit les relations de liaison entre les vecteurs. Donc là, ce sont les relations. Donc ce sont les relations. Les relations de liaison. De liaison. Entre. Ce sont toutes les relations de liaison entre les vecteurs de la famille C1. Entre les vecteurs de C1. Donc faites le calcul de 5U1 plus U2, ça va donner U3. Si vous faites moins U1 plus U2, ça va vous faire U4. Donc, en ce qui concerne la famille, donc, C1. Donc C1, on vient de voir que c'est une famille liée. C'est une famille liée. Donc on va étudier maintenant la famille C. Donc C2. Donc C2 égale. Là, le vecteur qui est là, c'est la même chose que le vecteur qui est là, donc c'est un U1. Le vecteur qui est là, c'est la même chose, donc c'est un U2. Donc le vecteur qui est là, on va l'appeler donc V1. Et le deuxième, on va l'appeler V2. Donc V2. Donc avec U1, c'est toujours 1, 0, 2. U2, c'est 2, 1, 0. V1, c'est 0, 0, 2. V2, c'est 1, 1, 0. Donc, pour étudier, donc, est-ce que cette famille est génératrice libre ou une base, donc, toujours, donc, soit U, un vecteur quelconque de E, donc, de la forme X, Y, Z. Donc pour, là on va prendre bêta 1, bêta 2, bêta 3, bêta 4 appartenant à R, puisque R3 est un espace vectoriel sur R. On va commencer par écrire U égale bêta 1 U1 plus bêta 2.U2
plus bêta 3 point U3 plus bêta 4 point U4. Ça, c'est équivalent à écrire x, y, z égale. Là, on fait le calcul dans l'espace vectoriel R3 tout de suite. Ça va faire bêta 1 fois 1 plus bêta 2 fois 2 plus bêta 3 fois 0 plus bêta 4 fois 1. Ensuite, la deuxième composante, là on a 0 bêta 1, on a 1 fois bêta 2, 0 bêta 3, 1 fois bêta 4. Pour la troisième composante, donc 2 fois bêta 1, 0 bêta 2, plus 2 bêta 3, 0 bêta 4. Donc tout de suite on fait le calcul. Si on a peur de faire des erreurs de calcul, donc on travaille doucement sur du brouillon. Donc on arrive toujours au système suivant, donc c'est bêta 1 plus 2 bêta 2 plus bêta 4 égale x, ensuite bêta 2 plus bêta 4 égale y, ensuite 2 bêta 1 plus 2 bêta 3 égale z. Ce qui est équivalent, donc toujours, on va utiliser la méthode de Gauss, là le coefficient de bêta 1 c'est non nul, donc on laisse cette ligne en première position, plus bêta 4 égale x. Là, il n'y a plus de bêta 1, tant mieux. Donc là, on commence par bêta 2 plus bêta 4 égale y. Là, on a 2 bêta 1, donc il faut éliminer bêta 1 ici. Donc là, on a bêta 1, on va multiplier ici par 2 et on va faire la différence. Donc 2 bêta 1 moins 2 bêta 1, c'est 0. Là, on multiplie par 2, ça fait 4. Donc 2 moins 4, ça... pardon, là, pour bêta 2, on a 0 bêta 2. Et là, on multiplie par 2, donc moins par 2, ça fait 4. On fait la différence, donc 0 moins 4, ça fait moins 4 bêta 2. Pour le bêta 3, donc là, on a 0 bêta 3. Donc là, on a 2 bêta 3 moins 0 bêta 3. Donc il reste 2 bêta 3. Là, on a 0 bêta 4, là, on multiplie par 2. Donc 0 moins 2 bêta 4, ça fait moins 2 bêta 4. Donc ça va faire z moins 2 fois x. Donc là, on a fait la ligne L3 moins 2 fois la ligne L1. Donc cette ligne moins celle-là. Donc le premier membre ici, moins 2 fois le premier membre ici. Donc 2 moins 2, ça fait 0. 0 bêta 2 moins 4 bêta 2, ça fait moins 4. 2 bêta 3 moins 0 bêta 3, ça fait 2 bêta 3. Et 0 bêta 4 moins 2 bêta 4, ça fait moins 2 bêta 4. Et z, pour le second membre, z moins 2x, donc z moins 2x. Ensuite, on va faire, s'intéresser à la deuxième et la troisième ligne. Donc ça nous fait bêta 1, 2 bêta 2, plus bêta 4 égale x. Là on regarde le reste des lignes. Là il nous reste normalement 3 variables, 3 inconnues, bêta 2, bêta 3, bêta 4. Là le coefficient de bêta 2 est non nul, donc on garde cette ligne en deuxième position. Si c'était 0, on la passe à la troisième position. Donc ça... c'est toujours égal à y. Et on va utiliser cette ligne pour éliminer bêta 2 dans le reste. Donc là, on a moins 4 bêta 2. Il suffit de multiplier cette ligne par 4 et faire la somme. Donc si on multiplie ici par 4, donc 4 bêta 2 moins 4 bêta 2, ça fait 0. Et là, ça fait donc 0 bêta 3 plus 2. Donc ça fait, là on va commencer par 2 bêta 3. On multiplie ici par 4. Donc là, 2 bêta 3, là on va avoir 4 bêta 4 moins 2. Ça fait plus 2 bêta 4 égale. Donc là, on a dit 0 moins 2x plus 4y. C'est
c'est-à-dire là, si on appelle cette ligne L3', là, c'est L2. Donc là, on a fait L3' plus 4, L2. C'est ce qu'on a fait pour arriver à ça. Donc là, regardez le système, comment il est devenu. Donc là, on commence par bêta 1. Là, on commence par bêta 2. Là, on commence par bêta 3, avec les coefficients non nuls. Donc là, on peut exprimer bêta 3, bêta 2, bêta 1 en fonction du reste. Donc, on fait passer le tout, tout le reste, le second moment. C'est équivalent à écrire que donc 2 bêta 3, et mais en même temps, on va diviser par 2, donc ça va faire bêta 3 tout de suite, c'est 1 demi. Le second membre, donc ça fait moins 2x plus 4y plus z moins 2 bêta 4 qui va rester comme paramètre. Le bêta 4, il n'y a aucune condition sur bêta 4, donc bêta 4, on écrit, il appartient à R. Là, une fois on a bêta 3, on va avoir bêta 2 qui est égal y moins bêta 4, c'est-à-dire y moins tout ça. Donc là, 1 demi moins 2x, donc ça fait moins x. Pardon, donc y moins bêta 4, donc bêta 4 c'est paramètre, donc on laisse comme ça. Donc bêta 2 c'est y moins bêta 4, donc bêta 4 c'est un paramètre, donc on le laisse. Et là on va avoir donc bêta 1 qui est égal x moins 2 bêta 2 moins bêta 4 qui est égal. Donc là, il faut écrire bêta en fonction de x, y, z et bêta 4. C'est le seul qui reste paramètre, c'est bêta 4. Donc là, moins 2 bêta 2, on remplace, ça va faire x, moins 2 bêta 2, c'est-à-dire moins 2y moins bêta 4, entre parenthèses, moins bêta 4. Ce qui va donner, c'est équivalent toujours à la chose suivante. Donc bêta 1 c'est de la forme donc x moins 2y, là moins 2 avec moins ça fait 2 bêta 4 moins bêta 4, donc ça fait plus bêta 4. Pour le bêta 2, donc c'est y moins bêta 4, et pour bêta 3 c'est égal, donc on peut faire entrer le 1 demi à l'intérieur, ça fait moins x plus 2y plus 1 demi z moins bêta 4. Donc bêta 4, il reste comme paramètre appartenant à R. Donc écrire que U est combinaison linéaire de U1, U2, V1, V2, V3. Donc c'est équivalent à ça. Donc on a toujours des solutions. Donc on a toujours. On a toujours des solutions. C'est-à-dire il existe bêta 1, bêta 2, bêta 3. Avec bêta 4 quelconque appartenant à R. Il suffit de donner par exemple à bêta 4 la valeur 1 ou même la valeur 0. Donc bêta 1 va être fixé, bêta 2 va être donné, et bêta 3 va être donné. Donc on aura des solutions. Donc par exemple, là on peut dire que par exemple, avec la plus simple des valeurs, donc bêta 4 égale 0, donc bêta 1, ça va être x moins 2y, bêta 2, ça va être y,
et bêta 3, c'est donc moins x plus 2y plus 1 demi z. Avec ces coefficients, donc u, il s'écrit donc bêta 1, u1 plus bêta 2, u2 plus bêta 3, v1 plus bêta 4, v2. Donc on a toujours des solutions. Ainsi, la famille C2 est une famille génératrice. Puisque tout vecteur appartenant à R3, tout U appartenant à R3, on peut écrire combinaison linéaire des vecteurs de la famille C2. Donc la famille C2 est génératrice. C'est une famille génératrice. Est-elle libre? Est-ce que c'est une famille libre? Donc pour ça, on a deux façons de répondre à la chose. Si c'est une famille libre, donc puisqu'il est déjà génératrice, donc il serait une base de R3. Et les coordonnées devraient être uniques. Mais là, on n'a pas unicité. Et bêta I. Donc ce qui veut dire que la famille bêta, la famille C2 n'est pas une famille libre. Puisque les bêta I qui sont ici ne sont pas uniques. Donc il y a une infinité de solutions. Ou bien, si vous voulez, pour répondre à la question, revenons à la définition initiale d'une famille libre. Donc pour U, dans ce cas-là, on prend U égale à 0,1. Donc, on revient au système bêta 1, point U1, plus bêta 2, point U2, plus bêta 3, point V1, plus bêta 4, point V4 égale 0. Ça, c'est équivalent. Qu'est-ce qu'on a obtenu à la fin de l'équivalence du système? On a obtenu ces équivalences-là, qu'on va réécrire. Mais là, on a x, c'est 0, le y, c'est 0, et le z, c'est 0. Donc, on va avoir bêta 1 égale bêta 4, bêta 2 égale moins bêta 4, bêta 3 égale moins bêta 4, avec bêta 4 appartenant à R. Donc rien ne nous oblige à dire que bêta 1 doit égal à bêta 2, égal à bêta 1, égal à 0. Ça est équivalent à ça, logiquement. Donc toutes les bêta qui vérifient ces relations vont nous donner ici un 0. Donc, la famille C2 ne peut pas être une famille libre, n'est pas libre. Si c'était libre, on devrait avoir ici bêta 4 égale 0 et les autres égale 0. Donc la famille bêta, la famille C2 n'est pas une famille libre. Si vous voulez un plus, donc pour voir exactement quelles sont les relations de liaison entre les vecteurs de C2, donc il suffit par exemple de prendre bêta 4 égale 1 ou bien de remplacer. Si on va voir, on a pour toute valeur de bêta 4 appartenant à R, donc si on prend bêta 1 égale bêta 4, bêta 2 égale moins bêta 4 et bêta 3 égale moins bêta 4, on va avoir ça égal 0, c'est-à-dire on va avoir moins. Donc bêta 1, donc ça fait bêta 4, point U1. Bêta 2, donc c'est moins bêta 4, point U2. Bêta 3, donc c'est moins bêta 4, V1. Et bêta 4, donc c'est bêta 4, point V2. Donc toujours ça, c'est le 0 de R3. C'est-à-dire bêta 1 point, là on utilise les calculs dans un espace vectoriel, donc U1 moins U2 moins V1 plus V2 sera égal 0,1. Ceci quel que soit bêta 4, ça veut dire que pour bêta 4 égale 1, on va avoir ça égal 0. Et si ça est égal à 0, on va voir ça qui est égal à 0, quel que soit 0,1. Donc d'où la relation de liaison. Ça signifie que U1 moins U2 moins V1
plus V2 est égal à 0, E. C'est la relation de liaison entre ces vecteurs-là. Donc, par exemple, on peut exprimer V2 comme combinaison linéaire des autres. Donc, par exemple, V2, vecteur V2, il s'écrit plus V1 moins U1 plus U2. Donc, combinaison linéaire, V2, combinaison linéaire, donc de V1, U1, U2. C'est pour ça que la famille est une famille liée. La famille est matrice, n'est pas une famille génératrice et non libre. Pour la famille C2, donc on vient de vérifier que c'est une famille donc, qui est génératrice. Mais non libre. Et donc, C1 ne peut pas être une base, C2 ne peut pas être une base. Donc maintenant, on passe à la famille C3. Donc C3, il contient donc ce vecteur et celui-là, donc ce sont U1 et U2 qu'on a déjà utilisé, U1, U2. Donc là, on a deux vecteurs. Donc pour vérifier que si la famille est libre ou génératrice, donc on peut revenir au calcul qu'on a fait avec C1 et prendre ici les deux derniers scalaires égaux à 0 et voir tout de suite ce que ça donne le système. Mais là, on a tout effacé. Donc on va reprendre les choses. Donc soit donc U la forme x, y, z. Donc pour deux scalaires alpha 1, alpha 2 appartenant à R, on va écrire U égale alpha 1 point U1 plus alpha 2 point U2. Ce qui est équivalent à quoi? Donc ça, c'est équivalent tout de suite, on va faire des raccourcis. Donc les composantes de U sont X et Y. Donc là, ce sont X, Y et Z. C'est égal. Lorsqu'on va faire alpha 1 U1 plus alpha 2 U2, donc alpha 1 fois les composantes de U1, donc ça va faire ici alpha 1 fois 1, 0 alpha 1, et là, ça va faire 2 alpha, donc 0, 2 alpha 1. Donc alpha 1 point U1. Pour les composantes ici. Pour alpha 2, on va avoir 2 alpha 2, alpha 2, 0. Donc là, 2 alpha 2 plus alpha 2 plus 0 alpha 2. Donc 2, 1, 0, 2, 1, 0. Donc c'est équivalent. Donc ces calculs, on les a déjà faits. Donc là, on va vite. Donc là, le coefficient alpha 1 est non nul, donc on garde alpha 1. La première ligne, on la garde. Ici, on n'a pas de alpha 1, donc on a juste alpha 2 égale y. Là, on élimine alpha 1 ici à l'aide de celle-là. On va faire la troisième ligne moins 2 fois la première. Donc 2 alpha 1 moins 2 alpha 1, ça fait 0. Et là, celle-là moins 2 fois celle-là. Donc on va avoir moins 4 alpha 2. Là, on va avoir moins 4 alpha 2, c'est-à-dire on a fait z moins 2x. Donc z moins 2x. Donc ça, moins 2 fois ça. Donc en vitesse, c'est équivalent. La première ligne, on la laisse tranquille. Donc on utilise cette méthode-là pour ne pas faire des erreurs, oublier certaines choses ou bien rajouter certaines choses, là, ça doit être équivalent. Dans la deuxième et la troisième, on va essayer de garder alpha 2 dans une ligne, éliminer alpha 2 dans le reste. Donc là, le coefficient alpha 2 est non nul, donc tout de suite, là, on laisse alpha 2 égale y. Et là, pour éliminer alpha 2, il suffit de multiplier par 4 et faire la somme. Ça va faire 0 égale. Donc là, on va faire z moins 2x plus 4y.
Là, on a fait, si vous voulez, la ligne, celle-là, on peut l'appeler donc L3, L3, et là, si on l'appelle L2, donc on a fait L3 plus 4, L2. On voit ce qu'on a fait. Ce qui est équivalent à la chose suivante, à alpha 1 plus 2 alpha 2 égale x, alpha 2 égale y, et là on obtient 0 égale moins 2x plus 4y plus z égale 0. Cette condition-là n'est pas vérifiée pour tous les vecteurs, cette condition n'est pas vérifiée pour U quelconque dans R3. Il est vérifié pour certains, mais pas pour tous. Pour U quelconque dans R3. Et donc, la famille C3 ne peut pas être génératrice, n'est pas génératrice. Pour voir est-ce qu'il est libre, donc là on va prendre U égale à 0. Et avec U, c'est 0, 0. Le système, ce qu'on a obtenu ici en fin de compte, donc c'est toujours équivalent au système S, ça donne quoi? Ça donne 0 égale 0 lorsqu'on remplace X par Y par Z égale 0. Et là, on obtient alpha 2 égale 0. Là, on obtient alpha 1 plus d'alpha 2 égale 0. Ce qui est tout simplement équivalent alpha 2 c'est 0 remplacé alpha 1 égale 0. Donc alpha 1 égale alpha 2 égale 0. Donc là, obligatoirement, on arrive à ça. Donc, la famille C3 est une famille libre. Donc la famille C4, elle contient donc toujours, là, c'est le vecteur U1, là, c'est le vecteur U2. Là, on lui donne un nom, donc on va l'appeler, donc, on l'a déjà appelé V1, si vous voulez, on peut l'appeler V1, ou bien on peut l'appeler U3. Avec U1, on précise, c'est le triplet 1, 0, 2, U2, c'est le triplet, donc, 2, 1, 0, U3, c'est le triplet 0, 0, 2. Donc, pour U de la forme X, Y, Z, appartenant à R3, alpha 1, alpha 2, alpha 3 des réels, qu'est-ce que ça veut dire? U égale alpha 1, U1, plus alpha 2, U2, plus alpha 3, U3. C'est équivalent. Donc les calculs, on les a déjà faits. Donc pour essayer d'aller vite, donc là, on va avoir les composantes de U sans X, Y, Z, alpha 1, U1. Donc alpha 1, là on va avoir alpha 1 fois 0, et là alpha 1 fois 2. Donc 2 alpha 1. Pour alpha 2, donc là on va avoir 2 alpha 2, là alpha 2 fois 1, il a 0 alpha 2. Pour alpha 3, c'est 0, 0, et là plus 2 alpha 3. C'est le système qu'on obtient en fin de compte lorsqu'on fait le calcul comme il faut. Ce qui est équivalent, donc on suit la méthode à la lettre, là le coefficient de alpha non nul, je laisse ici alpha 1, plus 2 alpha 2 égale x. Là, je n'ai pas de alpha 1, donc je réécris alpha 2 égale y. Là, je vais éliminer alpha 1 ici en utilisant la première ligne. Donc, je vais faire
la troisième ligne moins deux fois la première. Donc 2 alpha 1 moins alpha 1, c'est 0. Là, j'ai 0 alpha 2 moins 2 fois 2 alpha 2, ça fait moins 4. Donc je vais avoir moins 4 alpha 2. 2 alpha 3 moins 0 alpha 3, ça va faire 2 alpha 3. C'est-à-dire j'ai fait z moins 2x. Ce qui est équivalent à écrire alpha 1 plus 2 alpha 2 égale x, alpha 2 c'est y. Là je regarde la deuxième et troisième ligne, le coefficient de alpha 2 est non nul, donc je reprends la deuxième ligne, je la réécris. Je vais utiliser cette ligne pour éliminer alpha 2 dans le reste. Donc là, je vais multiplier par 4 et je fais la somme. Donc 4 alpha 2 moins 4 alpha 2, c'est 0. Là, j'ai 0 alpha 3, donc là, il me reste 2 alpha 3 pour le second membre. Pour le second membre, j'ai dit, je multiplie ici par 4, je fais la somme. Donc je vais avoir z moins 2x plus 4y. C'est-à-dire, je vais faire la troisième ligne plus 4, la deuxième. Donc le système qui est là, donc il est de la forme suivante. Donc il est de la forme. Donc là, j'ai alpha 1 fois 1, là alpha 2 fois 1 fonctionne en 8, alpha 3 fonctionne en 8. Donc pour les résoudre, c'est un triangulaire. Donc je commence par trouver alpha 3, et je remplace dans la précédente pour avoir alpha 2, et je remplace dans la première pour avoir alpha 1. Donc là tout de suite, alpha 3, donc ça va être égal à moins x plus 2y, je divise par 2, plus 1 demi z. Là, si j'avais ici alpha 3, donc je remplace par ce que je viens d'obtenir, mais heureusement il n'y a plus d'alpha 3, donc j'ai tout de suite alpha 2. Alpha 2 qui est égal à y. Donc j'ai alpha 2 et alpha 3, je remplace dans la première pour avoir alpha 1. Alpha 1 ici, donc tout de suite c'est x moins 2 alpha 2, et donc ce n'est autre que x moins 2 y. Donc regardez bien, le alpha 1 est donné de façon unique en fonction de x, y, z. La même chose pour alpha 2, la même chose pour alpha 3. Donc on a donc l'équation du départ, donc U égale alpha 1 U1 plus alpha 2 E3 U2 plus alpha 3 E3. Donc A des solutions, cette équation-là a des solutions. A des solutions. Donc la famille en question, donc la famille C4, et génératrice. Et génératrice. Et génératrice. Donc il faut donc vérifier si il est libre. Donc pour vérifier si il est libre, j'ai le choix. Soit de revenir à la définition. Donc pour vérifier si la famille C4 est libre, on peut faire la chose suivante. Donc, première réponse. Donc, la famille C4, on peut dire directement que c'est une base. C'est une base de R4, de R3. Car les alpha qu'on a obtenus ici sont uniques. Et ici, il n'y a pas de paramètres. Ils sont uniques en fonction de x, y, z. Car les alpha 1, alpha 2, alpha 3, on les a obtenus en fonction, donc sont uniques. Donc pour chaque U, c'est-à-dire pour chaque triple x, y, z, alpha 1, alpha 2, alpha 3 sont uniques. Et donc, ce sont les coordonnées de U dans la base C4. Donc ça c'est une première réponse. Deuxième réponse, si vous voulez, ou on peut faire une deuxième réponse. Ou avec
U égale le 0, E. Donc X égale Y égale Z égale 0. Le système S est équivalent tout simplement alpha 1, alpha 2, alpha 3. On remplace ici dans le système S, ici, les valeurs, on va trouver que alpha 1 c'est 0, alpha 2 c'est 0, alpha 3 c'est 0. Et on va dire que donc la famille C4 est libre, puisqu'elle est déjà génératrice, est libre. Comme elle est génératrice, donc c'est une base de R3. Donc c'est une base de R3. Donc il y a plusieurs façons de faire les choses. Si vous voulez, une remarque. Donc si on veut utiliser les théorèmes du cours, on va faire les remarques suivantes. On sait que on a la dimension de R3, donc comme étant espace vectoriel sur R, on sait que c'est égal à 3. C'est-à-dire le M, la dimension de l'espace dans lequel on travaille, c'est 3. Donc concernant la famille petit a, la famille donc C1. Le cardinal de la famille C1, on a 1, 2, 3, 4 vecteurs dans cette famille-là. On a 4 vecteurs. Et 4 est strictement supérieur à 3. Donc, C1 ne peut pas être libre. Donc, C1 n'est pas libre. Car le cardinal de toute famille libre est inférieur ou égal à la dimension. Ça, on a vu ça dans le cours. Voir théorème du cours. Toute famille libre, son cardinal est plus petit que la dimension. Donc, C1 n'est pas libre et donc n'est pas une base. Et donc, ne peut pas être une base. Donc, n'est pas une base. Donc, il suffit de vérifier uniquement si elle est génératrice. Donc, il suffit de vérifier si elle est génératrice. Si on veut utiliser les théorèmes du cours. Pour la famille B. Pour la famille B, donc même chose. Pour la famille C2. C2 n'est pas libre, tout de suite. N'est pas libre et n'est pas une base. N'est pas une base de R3. Donc pour la famille C1, on a trouvé qu'elle n'est pas génératrice. Ça, entre parenthèses, on l'a déjà vu. Donc C1 n'est pas libre et n'est même pas génératrice. Ça, on l'a vu, n'est pas génératrice. Pour la famille C2, on a trouvé que C2 est une famille génératrice. Pour la question C, la famille C3 contient deux vecteurs. On a le cardinal de C3 égal 2, est strictement inférieur à 3, qui est égal à la dimension de E. Donc, C3, tout de suite, on peut dire qu'elle n'est pas génératrice. Ne peut pas être une famille génératrice, puisque le cardinal de toute famille génératrice est supérieur ou égal à la dimension. Il doit être au moins égal à 3. Si la famille est génératrice. Donc C3 n'est pas génératrice et donc n'est pas une base.
et donc n'est pas une base. Et donc n'est pas une base. Donc il suffit de voir s'il est libre. Donc il suffit de voir si il est libre, tout simplement. Et entre parenthèses, on a vu que la famille C3 est libre. C3, on a vérifié qu'il est libre. Pour la question D, on a le cardinal de la famille C4 est égal à 3. Pour la famille C4, donc il contient 3 vecteurs. Et 3, c'est exactement égal à la dimension de E. Dans ce cas-là, on sait que si le cardinal d'une famille égale à N, égale à la dimension, donc cette famille-là est une base, c'est seulement si, soit il est libre, ou bien soit il est génératrice. Donc dans ce cas-là, il suffit de vérifier s'il est libre. C'est plus simple de vérifier si il est libre. Il est libre. Donc si oui, c'est une base, sinon ce n'est pas une base. C'est pas la peine de voir si les génératrices ou pas. L'une des choses, ça suffit. Et nous, entre parenthèses, on a vérifié, donc C4, on a vu que c'est une base. Donc c'est une base de R3. Donc ces remarques-là, si on avait voulu les faire au départ, on aurait pu donc minimiser les calculs et minimiser donc les raisonnements.